Je disais à Chantal Bellec de la banque, c'est la fête pour moi ce soir de nous retrouver, d'être ensemble. Et croisons les doigts que nous puissions continuer. Car vous savez tous que la banque me donne cet auditorium et qui coûte très cher, équivalent, ou je pense, 3500 euros par jour. Donc, vous voyez que pour vous, c'est quelque chose d'assez parfait. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et je vais laisser la parole à notre grand spécialiste de sculpture qui est à ma droite, qui va vous parler d'un grand personnage Carpo. C'est à vous, ami. Merci, Jean-Gabriel. Parfait. Alors, Carpo, c'est un artiste que nous connaissons à la galerie maintenant depuis quasiment une trentaine d'années. On a publié dans un premier temps le catalogue raisonné de l'œuvre éditée, le catalogue raisonné de l'œuvre éditée, et dans un second temps, mon associé a fait la biographie de Carpo. Donc, c'est un artiste sur lequel on a fait beaucoup de recherches. C'est un artiste sur le plan professionnel. On a acquis beaucoup de pièces, et des pièces importantes, vous allez en voir défiler donc un certain nombre ici. Et finalement, ce qui m'a le plus marqué dans ces quelques dernières années, eh bien, c'est ce que j'appelle la fulgurance de son œuvre. C'est-à-dire que pendant, de la période de 1857 à 1869, il a fourni quasiment l'essentiel de son œuvre. Et là, je vais vous montrer donc une image suivante, si Zoom veut bien fonctionner. Voilà. Camille, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais vous montrer une image suivante. Vous allez voir cette fulgurance de Carpo qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'en 12 années, il a produit pas moins qu'un nombre important de pièces emblématiques, c'est-à-dire le pêcheur napolitain de Carpo, c'est-à-dire l'Ugolin. Et après, en fait, voilà donc l'image que je voulais vous montrer. Vous avez ici donc un ensemble des pièces les plus importantes de Carpo qui ont été faites pendant sa carrière. Et si vous suivez le curseur rouge que je déplace, eh bien à droite, vous avez les pièces iconiques et importantes qu'il a faites pendant cette période de 12 années. 12 ou 13 années, 1857, 1869, 70, avec le pêcheur napolitain, qui est le premier que je pointe donc ici. Essayez de faire partie à l'écran là. Voilà, le premier de pêcheur napolitain. L'Ugolin, 1857-1861, il a voulu être une des pièces les plus iconiques du 19e siècle et une des pièces les plus importantes de la sculpture. Tout ça, donc, c'est quand il est à Rome. C'est sur la période 1845-50, 1857-61. Et dès qu'il a fini Rome, il rentre à Paris. Et on entre à ce moment-là dans la grande carrière du Second Empire. Et dans cette carrière du Second Empire, de 1862 à 1869, il va faire pas moins que les trois grandes commandes architecturales importantes, qui est pour le Louvre, le triomphe de Flore et de la France impériale, la danse pour l'opéra iconique et que tout le monde connaît, la fontaine de l'observatoire iconique et que tout le monde connaît. Et ce qui m'a interpellé, c'est quand on regarde bien, quand on regarde l'histoire de la sculpture à Paris, la sculpture décorative et architecturale à Paris, on s'aperçoit que les sultures indépendantes qui sont importantes, ben vous n'en avez pas tellement. Vous avez la fontaine des Innocents, vous avez la fontaine des Quatre Saisons, Chardon. Après, comme la royauté est partie à Versailles, c'est Versailles qui a capté finalement toutes les sculptures qui ont été faites. Il faut attendre le 19e siècle. Là, au 19e siècle, vous avez eu au début du 19e siècle, sous la monarchie de Juillet, vous avez eu une période extraordinairement riche en sculptures, où il y a l'Arc de Triomphe qui a été fait, où il y a les quatre grands frontons qui ont été faits, le Panthéon, la Madeleine, etc. etc. Mais si vous regardez dans ces sculptures, il n'y en a qu'une finalement qui est passée à la postérité, qui est voilée aujourd'hui sur l'Arc de Triomphe, c'est le Triomphe des Volontaires.
Rude donc a fait la sculpture monumentale à Paris qui est la plus importante, avant que Carpeaux fasse après, sur une période de 7 ans, 3 sculptures qui comptent parmi les plus importantes. Et quand je vous dis ça, déjà dans le guide de l'Adolphe Johann de 1870, il parlait de ces 3 sculptures. Il parlait de la fontaine des Innocents, il parlait du Bouchardon, il parlait de la grande réalisation publique qui était en cours, et il parlait de ces 3 sculptures. Si maintenant on continue après, eh bien, Sacassone n'a pas tellement de plus importantes qui, en fait, ont été faites. Si vous prenez Dalou, il a fait, bien sûr, la grande fontaine monumentale qui est la place de la Nation. Celle-là, elle est passée complètement à la trappe. On la voit simplement quand il y a des manifestations. Je dirais, elle n'est pas vue, elle n'est pas regardée, il n'y a pas peu de visites organisées autour d'elle. Elle n'est pas trop dans les films non plus. Vous avez ensuite Rodin avec le Balzac, commande qui a été refusée. Vous avez Rodin avec la Porte de l'Enfer, commande qui n'a pas abouti. Et toutes ces choses-là ont été faites souvent sur des périodes de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, on s'aperçoit que Carpeaux a été le sculpteur le plus fulgurant en sculpture à son époque et sur une période extraordinairement. Et bien sûr, ce qu'on pense, c'est qu'il a tellement produit, il a tellement fait de choses, il était tellement actif qu'il a donc à ce moment-là, il est mort d'un cancer à 47. Alors, le tableau qui est ici, ça va me permettre de vous présenter donc un petit peu Carpeaux. Il est en 3 strates horizontales. Donc, vous avez la première strate, qui est donc la strate du haut, où il y a ce que j'ai marqué à gauche, la famille numéro 1 et les soutiens. Qu'est-ce que ça signifie, la famille numéro 1? Quand Carpeaux était jeune, il y a eu ce qu'on appelle, c'est important pour la suite, c'est pour ça que je vous dis, il y a eu un esprit d'ascenseur social dans sa famille. Son père, sa mère, la fratrie, etc. Tout le monde voulait que la famille réussisse. Le père était maçon. Il voulait que son fils soit à ce moment-là sculpteur, ne soit pas forcément sculpteur, mais il soit appareilleur de pierre. C'est-à-dire que c'est celui qui installe les pierres dans l'architecture. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus abouti. Donc, il a poussé son fils. Son fils, après, a fait l'école des Beaux-Arts. Là, la fulgurance s'est arrêtée. Il est rentré à l'école des Beaux-Arts en 1845 dans l'atelier de Rude. Il en est ressorti avec le prix de Rome en 1854, c'est quand même 9 ans plus tard. Donc là, on a pu faire une fulgurance. Il était laborieux. Il n'était pas laborieux, en fait, mais je pense qu'il était très mal. Il n'avait pas le profil particulier, finalement, pour réussir rapidement à l'école des Beaux-Arts. Donc, il a pris de Rome. Il est laborieux aussi pour ce qui est de partir à Rome, parce qu'il part pas tout de suite à Rome. Le prix de Rome en 1854, il est arrivé à Rome en 1956-57. Il fait une première œuvre ou deux. Alors à Rome, c'est l'excitation totale. Il est dans la vie des Carmels, il est à la vie des Médicis. Et à ce moment-là, la fulgurance arrive. Son deuxième envoi de Rome, c'est le pêcheur napolitain qu'on va étudier tout à l'heure. Et le deuxième pêcheur napolitain, vraiment, il fait mouche, slave. C'est-à-dire, il prend automatiquement l'image. Vous allez voir, il y a d'autres sculptures qui ont été faites par Rude et par Duret dans des sujets similaires. Mais c'est Carpeaux qui finalement a pris l'image avec le pêcheur napolitain. Sculpteur iconique, sculpteur qui s'en. Après, l'ambition de Carpeaux, elle a toujours été démesurée. Il a voulu faire une sculpture, il a voulu étonner le monde avec une grande sculpture. Et la sculpture qui a étonné le plus le monde et qui scotchait le plus de monde à Rome, c'était la Laocoon, découvert par Michel-Ange, première sculpture maniériste de l'histoire de l'art qui a fait changer Michel-Ange. Donc, c'était considéré comme nec plus ultra. Et à ce moment-là, il dit, mais moi, je vais faire un pendant au Laocoon. Vous voyez, donc, l'ambition artistique extraordinaire. Il aura des ambitions personnelles, il aura des ambitions de réussite par rapport à ses confrères, mais il a surtout une ambition artistique extraordinaire. Et dans le cas de la Villa Médicis, au moment où normalement un jeune artiste n'a pas de souffle, il est arrivé à faire cette grande machine, on va dire qui fait plus de 2 mètres de haut, grande en nature, et qui, elle, s'est aussi imposée à Rome, un peu moins à Paris, mais à Rome, comme étant une des pièces les plus importantes. 1861-62, il rentre à Paris. On est à Paris à ce moment-là en pleine période de construction, de finition du Louvre, de construction architecturale. Il y a des expositions universelles. Il faut que Paris devienne vraiment une des vitrines du monde. Et à ce moment-là, il est complètement impliqué dans la deuxième campagne de décoration architecturale à Paris, avec le Flore que l'on voit ici, que je vous pointe, donc que vous connaissez, mais que je vous pointe avec le laser rouge, le Flore, Triomphe de Flore 63-66, la Danse 63-69, les 4 parties du monde 67-70. Vous voyez, dans le même temps, Schlaff, il mène quasiment, avec d'autres choses en plus, on va voir ça tout à l'heure, il mène quasiment donc, ses,
ces œuvres-là. Si maintenant on se reporte à gauche, il ne s'est pas contenté d'être seulement sculpteur monumental, il est portraitiste officiel de la famille impériale. Il commence avec la princesse Mathilde, il continue ensuite avec le prince impérial, il ira avec l'impératrice, avec Eugénie, et il terminera après 1870, donc avec le portrait posthume de Napoléon III. Et en plus, il fera toutes les personnalités importantes de la période de Napoléon III. Cette fulgurance, elle se signale aussi par autre chose. Il ne se contente pas de faire toutes ces sculptures monumentales, tout ce que je vous ai montré, il lance l'atelier. Qu'est-ce que c'est que l'atelier? Eh bien, c'est comme Barry, c'est comme Le Maine, ça va être comme Rodin après. Il se dit, mais mes sculptures, il faut qu'elles aient une diffusion importante. C'est avec ça que je vais faire vivre la famille de l'ascendant, son père, sa mère et la fratrie. On va faire un atelier, on va produire mes sculptures et ça fonctionnera très bien. Donc, dans cette même période, dès 1863, il commence donc à lancer l'atelier Carpeaux, dont vous avez ici les fameux cachets propriété Carpeaux et les cachets à l'aigle. Pourquoi cachets à l'aigle impérial? Eh bien, parce que dans le fond, il a toujours été soutenu par la famille impériale, toujours été soutenu par l'empereur. Il en a toujours une reconnaissance importante, et donc c'est ce qui le motivera. Et après, vous avez un break. Quand vous arrivez à la Troisième République, c'est-à-dire après la guerre de 1870, après la Commune, là, on va dire que la création se calme, car Carpeaux en plus des troubles de santé, il n'est pas en très bonne forme, il va se disputer comme un fou donc, avec sa femme, il va commencer vraiment être malade en 1973, donc la fin de la carrière est un peu difficile, et c'est l'atelier à ce moment-là qu'il fait vivre, qui va faire vivre dans un premier temps à la fois la première famille, la famille de l'ascendance, et ce qu'on va appeler maintenant la seconde famille, qui est la famille de la descendance, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, la famille de la postérité. Donc, il va avec des périodes, bien sûr, très difficiles entre les deux familles, qui sont toujours en position, et donc vous avez ici, sur ce tableau synthétique, vous avez donc à peu près déjà une première présentation donc de cette fulgurance de Carpeaux dans la période 1857-1860. Tout ce que vous voyez là, notamment les quatre parties du monde qui ont peut-être fini en 1872, en fait, il a trouvé le mouvement définitif avant 1860. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours, je dirais, scotché. On arrive au pêcheur napolitain. Donc le pêcheur napolitain, c'est le deuxième envoi de Rome. Le deuxième envoi de Rome, ça devait être un sujet qui était fait grandeur nature. Comme l'Académie était très forte et très présente, il fallait que ce sujet soit dans les Saintes Écritures et dans l'Antiquité. Bien sûr, Carpeaux l'a choisi ici à Naples, il a pris un petit enfant de 12 ans qui était sur une plage. Mais ce qui est assez remarquable pour ça, c'est qu'il a voulu faire un hommage à ses deux professeurs. Les icônes que vous avez à droite, que vous avez ici à droite, c'est le pêcheur à la tortue de Rude, salon de 1831. Et à gauche, vous avez Duret, le danseur de Duret 1833. Rude a été le premier professeur de Carpeaux à l'École des Beaux-Arts. Rude lui a dit, écoutez, ne restez pas dans mon atelier, vous n'aurez jamais le prix de Rome, parce que, eh bien, on n'aime pas l'Académie, c'est toujours Duret qui a le prix de Rome. Rentrez donc dans l'atelier de Duret. 1850, il rentre dans l'atelier de Duret. Et là, la fulgurance, elle n'est pas là encore, parce que 50, il n'y a pas le prix de Rome, c'est un autre qui l'a. 51, on a décidé que ce n'était pas possible. 52, ça n'a pas fonctionné, ou ça a été trop. 53, il n'y a plus de prix de Rome. Et en fait, il a le premier prix de Rome. En 1854, avec la sculpture, avec Hector et Astaniac, donc qui est au musée de Valenciennes. Et cette sculpture-là, alors c'est pour ça qu'elle m'interpelle aussi, parce que cette sculpture-là, on voit, si on la compare par rapport au pêcheur de Tortue de Rude, qui est un peu assis, qui est un peu pouf-pouf, quoi, avec sa tortue qui est dans lui. La tortue, c'est en plus un animal lent. Vous voyez, il n'y a pas tellement de vie dans cette sculpture, même si le marbre est d'un modèle extraordinaire et si elle est très belle. Dans le Duret, c'est aussi une très très belle sculpture. Mais alors Duret, il a un problème. Plutôt, il n'a pas un problème. Il y a un problème avec Duret, c'est qu'il a beau faire de très belles sculptures, ben, elles passent un peu à la trappe, c'est qu'on ne les voit pas, on ne les remarque pas. Il n'y a pas la présence. Il arrive que vous avez avec certains sculpteurs, ça c'est quelque chose qui est indéfinissable, mais les sculpteurs qui ont de la présence, eh ben, leur œuvre s'impose. Et c'est ce qui est arrivé à Descarpeaux. En fait, pourquoi elle s'impose? Ben parce qu'il a choisi un mouvement intermédiaire. Il n'est ni en train de se lever, il n'est ni debout, ni assis, ni en train de se lever ou de se baisser. Donc, vous avez une hésitation sur le mouvement.
C'est exactement ce que les néoclassiques appellent la grâce. Vous avez une sorte de grâce, une expression napolitain. Vous avez en plus un mouvement extraordinaire. Vous avez les jambes sur la gauche, les bras sur la droite, la tête qui revient sur la gauche. Donc vous avez toute une richesse de positions qui est extraordinaire, qui entraîne l'apparition d'une musculature et des muscles. Donc tout ça, au lieu d'avoir une surface lisse, eh bien, on a comme toute une tapisserie de muscles qui est représentée sur le corps. Et finalement, bref, la sculpture a une présence extraordinaire. Elle a un succès à Rome, elle est envoyée au salon, c'est un des succès au salon. Rothschild veut acheter le plâtre, mais à l'époque, quand on achetait un plâtre, il dit à Carpo, jeune homme, je vous achète le plâtre, mais ce sera en toute propriété. Carpo qui voulait produire ses œuvres, il y a une partition, Churchill, vous pourrez, car Rothschild achètera après un marbre, mais c'est Carpo qui gardera donc l'édition de son livre. Il pensait à sa famille, il pensait donc à l'époque à sa première famille, on est en 1857, et il y a des lettres, des échanges avec son frère, avec son père, mais nous allons faire une fortune avec cette sculpture qui va être sur le marché. Et là, se développe à ce moment-là, sur cette image que va suivre le curseur rouge, donc là, vous avez le pêcheur napolitain et le duré pour les influences. Ici, l'image qui est en haut, que je pointe ici avec le pointeur, qui est le pêcheur en réduction de Thiébault, c'est ce qui va développer l'édition. 1863, il demande au fondeur Thiébault de faire une réduction de son pêcheur napolitain en 36 cm, et les éditions vont donc commencer du importante. Deuxième chose dans les éditions, ce qui est classique depuis Barry, c'est le pendant, puisque c'est que le pendant, vous avez un modèle masculin qui a la tête tournée à gauche, on vous fait un modèle féminin qui a la tête tournée à droite, tous ces mouvements d'opposition, en opposition de grâce qui seraient parfaitement, c'est-à-dire qu'ils peuvent être exposés l'un à gauche et l'autre à droite. L'impératrice Eugénie et Napoléon III s'en serviront parce qu'ils auront au-dessus des rires un marbre de l'un à gauche et un marbre de l'autre à droite. Donc ça, c'est les pendants. Deuxième chose qui permet de développer réduction des pendants, deuxième chose qui permet de développer les éditions, c'est les fractionnements. Alors ça, tous les sculpteurs du 19e siècle, et Carpo en premier, font des fractionnements. Donc là, il prend la tête du pêcheur napolitain, il fait plus du pêcheur napolitain, il prend la tête de la jeune fille et la coquille, qui est un affoucard, il la change un petit peu, et il fait un pendant au pêcheur napolitain. Donc l'activité de l'atelier, on est en 1863 ici pour cette réduction, l'activité de l'atelier est lancée en 1863, en période d'opposition avec sa famille, parce que sa famille l'avait aidé, le père avait envoyé de l'argent pour qu'il puisse mouler son pêcheur napolitain, pour qu'il puisse en faire faire un bronze après, donc il a sollicité la famille et les soutiens qu'il avait donc à Valencia. Et maintenant, on arrive à l'œuvre absolue, à l'opéra absoluta, qui est l'Ugolin. L'Ugolin, donc là nous sommes à Rome en 1857, le pêcheur napolitain est un succès, l'ambition commence à devenir très forte, il s'est échauffé la tête, et c'est le premier désir, c'est de faire un chef-d'œuvre qui étonne le monde, et la seule chose à ce moment-là, c'est de se mesurer au Laocoon, qui était considéré comme aussi une des plus belles chefs-d'œuvre de l'art. Il y avait quatre sculptures de l'Antiquité qui comptaient, l'Apollon du Belvédère, le torse qui était, je crois, au Vatican, la Vénus Médicis et le Laocoon. C'était les quatre sculpteurs, d'ailleurs, Napoléon ne s'y est pas trompé, pas Napoléon, pardon, le gouvernement révolutionnaire ne s'y est pas trompé, parce qu'ils les ont fait venir à Paris en 1790-1799, et c'est le général Bonaparte qui s'occupait du transport des 1815 après Canova, grand sculpteur néoclassique s'il en est, les a fait bien sûr retourner donc à Rome. Donc voilà pour un petit aparté sur le Laocoon. Et alors le Laocoon, c'est l'histoire de Nantes. Je ne vais pas vous la raconter. L'histoire de Nantes, vous l'avez sur Internet. Vous devez la connaître. Grosso modo, c'est Ugolin, le personnage principal, le comte Ugolin, qui est enfermé dans la forteresse de Pise par l'archevêque. Il est enfermé avec ses enfants. Vous avez la diagonale des enfants qui est ici. Vous avez les petits enfants. Vous avez la diagonale des petits enfants qui est ici. Condamné à mourir de faim. Et là, Carpo a choisi de représenter la scène où l'enfant qui est ici, qui lui parle, lui dit « Mais père, c'est toi qui nous as donné la vie, nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus rien, maintenant tu peux nous enlever, mange-nous. » Bien sûr, il n'est pas question qu'il mange ses enfants, mais il se prenait les mains de douleur, si vous voulez, devant cette situation dramatique. Carpo se met donc sur cette grande machine qui, avant d'être une grande machine, a été des esquisses. Je vous invite à retrouver l'esquisse qui est ici à droite. L'esquisse, c'est d'avoir fait une esquisse à trois personnages. Ça ne fonctionnait pas. Alors déjà, il était en opposition avec la Vénus Médicis.
parce qu'elle avait dit ici, si vous voulez en faire un envoi, mais c'était en fait, vous devez faire à ce moment-là un groupe de deux personnages et de petites dimensions. Là, on est sur une grande machine de plus de 2 mètres de haut, grandeur nature, avec ici, au bout du compte, avec 5 personnages. Donc, toujours l'opposition de Carpo avec, avec quasiment tout le monde pour imposer son œuvre. Il commence à faire plusieurs esquisses, donc celle-ci. D'abord, groupe à 3 personnages, ensuite, groupe à 4 personnages. Alors, je vais vous montrer sur la photo principale les 4 personnages qu'il avait mis. Il avait mis Lugolin qui est ici, il avait mis les 2 enfants qui est ici, et le petit enfant mort qui est donc. Il loue un atelier, c'est la famille numéro 1, la famille de l'ascendance qui paye une partie de l'atelier. Les gens, il fallait les faire poser pour un marinier, un semi-escroc, un filou, qui n'était pas, avec ses enfants et ses petits-enfants. Les pauvres, tout ça, ça coûtait très cher. Et petit à petit, donc, il monte le groupe, partant de l'esquisse, il monte le groupe en 4 figures, quasiment en une seule. Ça, c'est la fulgurance de Carpo, c'est la rapidité. Mais alors, par contre, ils n'en sortaient pas. Ils trouvaient que ce n'était pas joli, patata. Et il laisse la faire reposer parce que l'hiver arrivait, on ne pouvait pas travailler dans l'atelier qui n'était pas chauffé. Et il reprend l'affaire quelques mois plus tard. Et là, le coup de génie de Carpo, eh bien, je vous invite à regarder ce que j'appelle le marchand de poissons 1868. Eh bien, il a rajouté un quatrième personnage qui est sur la droite. Et c'est ce personnage qui va donner, je dirais, une composition géométrique et un ordre mathématique à l'œuvre. L'ordre mathématique, vous l'avez tout à fait simplement avec la médiane verticale qui partage Lugolin donc en deux. Et après, ce que j'appelle la diagonale des enfants et des petits-enfants, la diagonale des enfants qui est là, en X, c'est la diagonale des petits-enfants qui est là avec un ordre. Ce qui fait que quand vous regardez la pièce, une pièce qui pourrait être assez confuse, et à 4 personnages, elle était confuse parce qu'on n'avait pas la symétrie. Le fait d'avoir ajouté le 5e personnage, c'est la symétrie qui est venue, c'est la lecture facile de la pièce qui est venue. Et à ce moment-là, il a trouvé son sujet, qu'il a exposé à Rome et qui a eu donc un sujet extraordinaire. Alors, il s'est servi, bien sûr, les peintures sont très souvent à l'origine des inspirations. Et c'est ici le désespéré entraîné par l'Église du jugement dernier, donc qu'il a impressionné et qu'il a marqué. Vous avez là une autre sculpture qui aurait pu l'impressionner, c'est le diable de Feuchères ici. Et la descendance quand même de Lugolin, c'est Lugolin qui est assis ici. Auguste Rodin a reconnu qu'il s'en était servi pour le penseur. Vraiment, c'est une sculpture qui me plaît. On ne peut pas faire grand-chose après parce qu'elle est tellement aboutie et tellement parfaite. Mais par contre, ça a été une sculpture qui a été admirée partout et qui est toujours admirée par tous les sculpteurs. Alors, elle est romantique, mais la composition mathématique et la construction mathématique lui enlève finalement un certain romantisme puisque vous avez un ordre. Votre œil suit ce qui se passe et comprend ce qui se passe. Si vous regardez Lugolin que Rodin a fait, c'est le chaos. Lugolin est là sur ses enfants plus ou moins morts et on ne sait pas trop ce qui se passe. Et vous avez vraiment une vraie désespérance. Là, vous avez moins de désespérance. Et j'étais sensible à ce problème avec Barry, parce que Barry, quand il fait des scènes romantiques très difficiles, elles sont tellement construites, tellement géométriquement, mathématiquement presque faites, que finalement, il arrive à redonner, je dirais, une confiance dans la scène romantique. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Mais il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé, c'est qu'il se trouve que j'ai la grande chance d'avoir à la maison une épreuve de Lugolin, qui est rarissime parce qu'on ne la voit pas. Quand Rothschild, il a voulu vendre la pièce à Rothschild, Rothschild lui a dit « Mais pourquoi voulez-vous que je vous l'achète ?» On va dire que j'ai fait une brille avec mes petits-enfants. Enfin, on ne voulait pas en faire l'acquisition. Donc finalement, c'est une sculpture qui n'a eu aucun succès. Aujourd'hui, c'est un succès fou. Quand elle apparaît sur le marché, la dernière avait 400 000 euros, quand même, c'est pas si mal, pour un bronze de 50 cm de haut. Mais elle n'avait donc aucun succès. Et là, je vous ai mis en face Michel-Ange, la bataille du Cassino, qui est un ensemble d'une vingtaine de personnages, tous des positions différentes, tous des positions originales. Ils sont tous en train de sortir de l'eau parce qu'il y a l'armée ennemie qui va attaquer en face. Et je me suis amusé, mais je l'ai fait finalement assez vite. En la regardant et en comparant, j'ai surligné en vert le personnage qui est ici. Je vous invite à regarder le fils du Golin qui est sur les genoux de son père. Je vous invite à regarder celui qui est ici, qui est le fils du Golin, celui qui dit à son père, « Père, mange-nous, etc. Tu as le droit de vie sur nous. » Et bien là, on n'est pas loin de notre Golin qui arrive de face.
Ici, vous avez l'enfant mort, Gaggio, vous l'avez ici, vous le retrouvez là. Le dos, c'est le dos de Colin. Donc, on voit finalement toute la composition. Alors, j'ai mis vert, verbe d'espérance, peut-être c'est ça. Mais on voit finalement, plus je regarde le carton de Cassina, et plus je trouve que l'Ugolin, il est là en substance, surtout quand je termine avec les mains de la personne qui est en train de sortir de l'eau, il ne se noie pas. C'est un guerrier qui est en train de se baigner pour se délasser, qui sort de l'eau pour aller au combat, donc qui est enceinte. C'est les mains qui sont là, si vous voulez, vous avez les mains de l'Ugolin qui prennent tellement d'importance, qui sont démesurées par rapport à la sculpture et qui montrent qu'elles sont presque une œuvre. Donc voilà, ça m'a amusé de montrer ça, et ça renforce d'ailleurs le côté construit de cette pièce, comme d'ailleurs le carton de Cassina est construit, Michel-Ange, tout était construit, réfléchi. Là, vous avez les 20 personnages, vous devriez avoir le chaos, vous n'avez pas le chaos. Chaque fois qu'il y a une feuille, il y a un personnage qui arrive dans une position différente, et ça, c'est cette manière d'occuper l'espace, c'est les grands. Voilà donc. Pêcheur napolitain Ugolin. Là, on est donc en 1857-1861. Son activité à Rome est terminée. Il rentre à Paris. Là, l'accueil n'est pas terrible parce que Carpo était caractériel. Il n'est jamais comme tout le monde. En plus, il parlait mal, il bafouillait, bégayait. Il ne bégayait pas, mais on comprenait mal. Ce qui fait qu'il passait mal dans les salons. Il passait mal dans les réunions. Donc, il se trouve n'avoir pas un succès en général extraordinaire. Mais la fulgurance arrive là, et là je vais prendre ma feuille parce que la fulgurance elle est tellement extraordinaire, elle arrive si vous voulez pour moi avec le pavillon. Alors je vous ai présenté à titre didactique donc, le pavillon de flore que vous connaissez par cœur, en faisant passer le laser sur le rez-de-chaussée, il n'y a rien du tout. Ici vous avez comme une tapisserie de pierre, vous avez comme une marqueterie de pierre, une tapisserie qui est assez délicate. Ici c'est la même chose, c'est assez délicat. Et là, à l'endroit où je vous pointe en rouge, c'est bien sûr le triomphe de Flore. Flaf, vous avez une profondeur extraordinaire et un poids, une énergie. L'œil a tendance à se porter là. Et l'énergie se porte encore plus haut ici avec ces deux pièces que vous voyez sur cet écran-là. C'est ce qui a fait dire d'ailleurs à certains artistes quand le Louvre a été fait. Ils ont dit, c'était Préau. Préau a dit, il y a trop de monde au balcon. Les artistes n'aimaient pas beaucoup. Et Barré était le premier à ne pas aimer tout ça. Je dirais que vous avez des chefs-d'œuvre de la sculpture qui doivent être à 20 ou 25 mètres de haut. Donc là, vous avez, vous avez donc la France impériale, que l'on connaît bien, avec l'aigle impérial qui est ici. Le génie de Carpo, soit dit en passant, si vous regardez tous les autres attiques du Louvre, le génie de Carpo, c'est d'avoir mis les ailes derrière les têtes de l'agriculture et derrière les têtes de la science, qui fait qu'elles se détachent sur un fond et elles sont très fortes. Et là, vous avez donc le triomphe de Flore. Alors là, je reviens là, je vais vous lire tout simplement ce qui est arrivé à Carpo dans cette année. Alors, 15 avril 1863, Le Feuel, qui était l'architecte du Louvre, lui commande un fronton orné de 3 figures et d'une frise de 6 enfants. Vous voyez, les commandes étaient très larges. Là, on laissait a priori frise de 3 figures et frise de 6 enfants, il n'en a plus pas. Et donc, c'est la commande du 15 avril 1863. Le 19 avril, 4 jours après, Jean-Baptiste Carpo accepte. Le 25 novembre, Le Feuel vient aux nouvelles, dépêchez-vous, je n'ai pas eu de projet, patati patati. Le 5 décembre 1863, il lui arrive à ce moment-là la commande de l'opéra. Non pas la danse, mais le drame lyrique et la poésie légère. L'opéra. Fin 1863, le fronton a 3 figures, c'est-à-dire c'est celui qui est en haut, c'est la France impériale que vous voyez avec la science et l'agriculture, est accepté. Il est quasiment fini. 8 janvier 1864, commande de la tempérance pour la Trinité. Vous savez, c'est une des grandes sculptures qui est faite sur l'église de la Trinité, assez mal placée parce qu'elle n'est pas placée ou elle n'est pas mise au premier plan. 23 mai 1864, votre modèle pour le fronton. Donc je parle du modèle qui est en haut, du grand modèle que je pointe ici avec le laser. C'était des trucs qui faisaient quand même 6-7 mètres de long. Gigantesque. Le 23 mai 64, votre modèle était chez vous. Le 4 juin 64, Le Feuel devait être assez content parce que paf, arrive à ce moment-là la commande du triomphe de Flore qui est en fait juste au-dessus. Le 9 juillet, un mois après, le monde s'il est toujours d'accord. Donc, vous avez vu toutes les commandes qui sont là.
Arrive 1865 la commande du prince impérial. Le prince impérial et son chien héros arrivera la princesse Mathilde et tout ça. Et la commande de l'observatoire en août 1867. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'histoire de la sculpture, de personnes qui ont, sachant qu'ils développaient l'atelier à la caisse, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la sculpture de personnes qui ont une activité aussi intense. Alors bien sûr, vous allez me dire, ça se situait à une époque où Paris était en effervescence totale. On se plaint des travaux à Paris, mais je ne vous dis pas ce que c'était entre 1854 et 67. La France a déprimé, Paris a déprimé en 67, et Haussmann a été obligé d'arrêter quasiment tous ses travaux. On a dit des histoires de scandales et tout ça, mais c'est que personne n'avait pas le bon. Paris est un chantier permanent, ça ne peut pas à 1867. Donc voilà, c'est cette page-là qui, pour moi, finalement, marque mieux la fulgurance de l'artiste. À l'époque, il a moins de 40 ans. Donc, il est plus qu'il n'est pas encore dans la force de l'âge, mais dans l'époque, dans une énergie extraordinaire. Donc, je vais vous montrer cette fulgurance parce que vous avez dû lire, et puis je n'ai pas le temps dans le lieu de vous étudier toutes ces œuvres. Bien sûr, vous avez, si vous regardez la terre cuite qui est en bas de l'agriculture avec le bœuf, et puis on ne sent pas encore ici, il y a la ruche. Voilà, vous avez Michel-Ange, vous avez trouvé des Médicis. Alors, Michel-Ange, l'influence de Michel-Ange, c'était double. Elle était surtout par la peinture. Surtout par la fresque du jugement dernier, avec ce fameux répertoire de carton de Cassina. Et elle est intervenue par la sculpture beaucoup plus tard. C'est ce qui est assez étonnant. Vous voyez que l'Ugolin et Carpo a été influencé par la fresque du jugement dernier, par un sujet de la fresque du jugement dernier. Mais c'est une des premières sculptures qu'il a finalement influencée directement. Si vous retournez voir maintenant sur celle que je vous pointe ici, bah vous voyez l'étude de musculature extraordinairement forte, extrêmement puissante, qui joue avec le soleil suivant l'éclairage, et on ne voit plus que ça. Et ça, la sculpture déborde complètement de l'architecture. Maintenant, on arrive à la commande du prince impérial. Donc là, on est en 1865. J'ai passé assez vite sur cette commande. 1864, quand il était dans toutes les commandes, il est professeur de dessin du prince. En 1865, il a la commande. Et les deux, que ce soit le buste commandé par l'impératrice ou que ce soit le prince et son chien héros commandé par l'empereur, les deux sont situés et datés Tuileries, Pâques 1865. Donc, ça a été vite fait, ça n'a pas passé 3 ans, 4 ans. Je vous renvoie à ce moment-là au portrait de Clémenceau par Rodin qui est fini. Il y a dû mettre une dizaine d'années que Clémenceau n'était pas content, parfois c'était super long. Là, ça s'est fait en un temps record et tout le monde a été content. L'impératrice a été très contente du plus quand il est apparu. Et pour le prince et son chien héros, c'est assez exceptionnel parce que là, il a évité le poncif. Il l'a fait d'abord donc en costume du jour, en costume bourgeois, donc à Napoléon III rassuré, mais surtout la trouvaille qui n'avait pas été faite, donc c'est dans sa main de Velasquez. La trouvaille, c'est mettre le chien héros qui est le chien de l'empereur, à la fois symbole de fidélité, à la fois symbole de la continuité, et c'est lui qui donne une assise. En fait, c'est le bras posé sur le chien héros qui représente la fidélité, la longévité, le chien du père. C'est lui qui est l'équivalent de l'étendard qu'aurait présenté, si vous voulez, d'autres sculpteurs ou du portrait militaire qui aurait été fait quand on représentait les jeunes princes en lieutenant général du royaume. Et le génie, en fait, il a été. Et ce qui fait que c'est carrément génial, et bien, c'est que tout de suite, il y a eu l'adhésion complète, non seulement des gens qui aimaient Napoléon III, non seulement des gens qui aimaient la sculpture de Carpeau, mais c'est une sculpture qui dépasse son cadre de commande. Et là, ce qui est extraordinaire, normalement, dans une commande, vous avez un cahier des charges. De faire ceci, ceci. Là, on a l'impression qu'il a complètement échappé au cahier des charges. Et à côté, donc, je vous ai présenté un buste du prince impérial. Et là, je vais aller très rapidement, mais c'est pour vous dire que nous avons la preuve du mécanisme de création de Carpeau quand il a fait cette pièce. Vous avez le buste du prince, vous avez fait en fait en deux parties. Si vous regardez ici en haut ce que je vous souligne, vous avez une partie de jonction qui est soulignée par la ligne rouge qui est ici au niveau du cou. La tête a été remise après. Quand Carpeau a modelé le prince impérial, il a modelé d'abord la tête. Et c'est pareil, les sculpteurs faisaient ça en général, ils modelaient la tête.
Et ensuite, il a fait venir un petit garçon qui l'a habillé avec des habits d'empereur, à peu près similaires. Et il a fait à ce moment-là le modelage du buste lui-même. Et là, il y a la jonction des deux affaires. Et la jonction des deux affaires, personne d'autre ne peut la faire que là. Parce que c'est lui qui lui a donné le maintien. Et en fait, si j'ai eu les deux, bien sûr, dans des grandes tailles. Le buste du prince impérial, il a la tête plus levée parce que c'est un buste. La statue du prince impérial, on voit de plus haut, vous remarquez bien qu'il a la tête moins levée, la tête de la garde un petit peu plus sur le côté et vers le bas. Tout ça, c'est des subtilités, c'est de l'observation d'artistes. Et les artistes, Carpeaux était particulièrement génial à ça. Je vous pointe ici le bouton et la couture, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, la partie du bouton qui est là, mais quand ce n'est pas trop original, quand je l'ai regardé, je me disais, c'est pas possible, ces subtilités. Quand le bouton ici tire sur la bille, mais ça tire exactement comme ça. L'artiste a observé. Un artiste est un observateur. Un observateur fini, que ce soit Rodin, que ce soit Carpeaux, que ce soit Barry. Quand on scanne une sculpture, on s'aperçoit que vraiment, il a observé. C'est ça le grand art. Il arrive à la fois à simplifier pour les choses qu'il peut simplifier, il va garder par contre tous les détails pour les choses pour lesquelles il peut garder les détails. La fulgurance, alors là, elle continue ici. Et là, vous avez, alors là, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'aborder le problème de la sculpture architecture et de la sculpture décor. Ce tableau-là, on va le prendre de gauche à droite, de droite à gauche. Donc vous vous mettez en bas sur le départ des volontaires. Pourquoi le départ des volontaires? Eh bien, je vous ai dit que Carpeaux a été l'élève de Rude. Eh bien, il a vu le départ des volontaires sur l'Arc de Triomphe, mais surtout, il a vu le modèle en plâtre qui a servi à faire l'Arc de Triomphe dans l'atelier de Carpeaux. Il est aujourd'hui au musée de Dijon. Il l'a vu pendant toute son étude. Et ce qu'il y a pendant toutes ses études? Et ce qu'il y a de génial dans le parcours des volontaires, c'est que Rude a appliqué un peu ce qu'on a vu sur le carton de Cassina. Il a appliqué une règle qui est très bonne, c'est de remplir l'espace sans mettre autre chose, et chaque personnage représente quelque chose de précis, et il a soit un habit ou soit une position différente des autres personnages. Et c'est ce qui se passe effectivement quand vous, si vous regardez à l'Arc de Triomphe, quand l'emballement de cristaux se relève, et ben vous vous apercevez, on ne le voit pas trop sur l'image, mais vous avez des personnages nus, des personnages habillés, quand il y a trop de personnages de face, et ben on vous montre un dos, quand il y a un personnage de face, on vous montre une chose de trois quarts, et vous avez le génie inspirateur qui part horizontalement, c'est ça. Et bien la danse, c'est la transposition de ce que nous a fait. Et la transposition verticale. Qu'est-ce qu'il a fait donc avec la danse? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je vais pouvoir le déplacer comme ça. Voilà, génial. Qu'est-ce qu'il a fait avec la danse? Eh bien, vous avez les six bacchantes qui sont là. Vous avez une bacchante qui est un peu de dos, une bacchante qui est un peu de profil, un peu de profil habillé, déshabillé. Vous avez un masque derrière. Vous avez toute une ligne des têtes avec un diable derrière qui est en bas-relief. Ensuite, vous avez toute une étude de mouvement de danse et dans la partie qui est en bas, qui fait complètement sens, vous avez l'amour à la folie, celui qui mène le jeu et qui va insuffler l'énergie aux élites de la danse qui est au-dessus. Vous avez une étude des mouvements qui sont absolument parfaits. Et Carpeaux est arrivé donc à donner une vie à ce modèle en appliquant des règles de construction. Voilà. Là, n'allez pas croire que ça a été fait en deux temps et en trois mouvements. Tout ça, ça a été réfléchi. Et il a eu beaucoup, il l'a dit d'ailleurs, hein, il a été donc parfaitement aidé par le départ des volontaires. Après, vous savez l'histoire, le 25 juillet 1869, il y a le scandale de la tache d'encre sur la bacchante au laurier, c'est-à-dire sur celle qui est ici. Il arrive à la faire partir, mais ça a fait un tel scandale que l'administration impériale dit à l'empereur et à l'impératrice, écoutez, ça me paraît difficile de faire une inauguration comme ça, le groupe de M. Carpeaux est superbe, on ne peut pas le garder, il faut le faire enlever. À ce moment-là, Garnier commande en deux temps et en trois mouvements un groupe de la danse qui est ici au sculpteur Charles Bonnet, qui l'a fait, qui doit nous la faire en 3-4 ans. Elle était prête à installer. Vous avez la guerre franco-allemande, vous avez la commune, la Troisième République arrive, on avait tellement de choses à s'occuper finalement. Eh bien, la danse, pour le bonheur de tous, est restée en place. Tout ça m'amène maintenant à l'image qui est ici, où vous voyez,
C'est une maquette en fait de l'opéra, qui n'est pas une maquette exacte, puisqu'il y a les marches qui sont en fait ici. C'est une maquette de l'opéra de Carpo, qui situe très très bien ce qui se passe entre la sculpture des corps et la sculpture archivée. Quand Garnier a passé sa commande à ses sculpteurs, et voilà, vous avez au-dessus, nous avons ici, ça s'appelle un ordre colossal, les deux grandes colonnes sont colossales. Nous avons ici un ordre colossal. Maintenant, ça serait gentil de faire des sculptures qui vont accompagner cet ordre colossal. C'est-à-dire que vous faites un génie inspirateur en face, le génie inspirateur au milieu, qui va dans le creux des deux colonnes, et vous faites deux personnages après qui vont soit accompagner les colonnes, annoncer les colonnes, ou suivre ou terminer les colonnes. Les trois autres sculpteurs qui ont fait les trois autres sculptures de l'opéra se sont tous inscrits dans cette ligne-là, ce qui fait que vous avez des modèles relativement étroits. Notre Gumri qu'on voit ici, vous avez le calcaire sur le musée d'Angers, qui est encore toujours, il est magnifique et complètement, c'est le poncif académique le plus parfait. Et donc, il est traité comme ça. Et qu'est-ce que nous a fait Carpo? Il s'est foutu du tiers comme du quart de ce que lui a dit Garnier, le groupe à trois personnages. Il nous a fait un groupe à six personnages, sept personnages, huit personnages, sans salguer. Et il a fait quelque chose, on le voit bien sur la maquette, qui déborde complètement de notre prévu. Ce qui fait que ça flingue à ce moment-là toutes les autres. Toutes les autres qui sont déjà des poncifs académiques sont flinguées automatiquement par la danse de Carpo. Alors maintenant, je vais être quand même pondéré, je vais être beaucoup plus mesuré, parce que si on regarde le cahier des charges que Carpo avait donné à ses sculpteurs, il avait dit à Carpo notamment, quand il lui avait donné, pensait lui donner la sculpture que je vous montre à gauche, qui est le drame lyrique et la comédie légère. Le drame lyrique et la comédie légère, c'est celui qui a été fait effectivement par Perrault qui est ici. Donc Carpo, quand il a commencé à faire le drame lyrique et la comédie légère, qu'est-ce qu'il nous a fait? Vous avez le drame lyrique qui est ici, il tient son chapeau. Voilà, vous avez la comédie légère qu'on imagine avec le nombril, une jambe décalée, et le génie inspirateur. Mais comment voulez-vous faire quelque chose d'original en réunissant sur une sculpture qui n'est pas si grande, en réunissant le drame lyrique et la comédie légère? Et Carpo, quand il a eu la commande donnée par Garnier, il a eu, M. Carpo, fait de la danse amoureuse et de la danse bachique, et bien il a fait de la danse bachique. Existe la danse amoureuse. Donc il a pu imposer à Garnier à la fois de bazarder la danse amoureuse, donc de ne pas suivre le cahier des charges sur le sujet lui-même, et deuxièmement, bazarder le nombre de personnes. Donc ça montre bien la personnalité. Alors pourquoi ça a marché? Parce que Carpo et Garnier étaient à la petite école ensemble, à l'école des arts décoratifs, et ça a fonctionné pour ça. Et puis Garnier avait bien, et Carpo était connu déjà par le tribunal de Flore et par avait fait, donc il avait une confiance totale. Donc là, on est en 1869, et donc c'est la deuxième commande importante. Mais dans la deuxième commande importante avant, en 1867, paf, il s'est attaqué à l'observatoire, et l'observatoire, il applique à peu près les mêmes règles, c'est-à-dire représenter des personnages dans des positions différentes, c'est-à-dire représenter des personnages dans des états différents et avec un esprit complètement différent. Et le coup de génie de Carpo, là, c'est dans la sphère armillière. Que si vous reprenez toutes les sculptures similaires qui ont été faites, regardez les Atlantes. Qui portent les sphères célestes qui partent la Terre. Vous avez de l'Atlante, on nous représente costaud comme pas quatre, avec une sphère, mais après, on a l'impression qu'il ploie sous la Terre, et du coup, on se demande, mais ça perd de sa crédibilité, il ne peut pas les porter. Et même pareil avec les sphères armillières. Et le génie de Carpo ici, c'est d'avoir fait une sphère armillière très grande, une Terre petite, et c'est le vide actif qu'il y a dans cette sphère armillière, et c'est le fait de faire tourner les quatre la sphère qui donne finalement une légèreté extraordinaire à la chaîne. Et il a eu cette idée-là. Au début, il avait commencé par faire un personnage cassé contre les autres, comme je vous l'ai dit. Et il a eu cette idée-là quand Galilée, et pourtant elle tourne, la Terre tourne. Et il a eu cette idée-là à ce moment-là. Mais là, si vous voulez, c'est une sculpture, c'est une trouvaille. Et Carpo est capable à chaque fois de nous faire une trouvaille rapidement. 67-70, tout était quasiment
C'est fini. Alors après, le plâtre original a été quand même, ça a été installé seulement en 1874, assez difficilement. Ça a été installé en 1874 assez difficilement. Et c'est sa dernière grande sculpture. Et bien, dans le monde entier, on vient la voir. Donc là, c'est un tableau sur lequel je suis revenu sur la fulgurance et on va en fait passer parce que je voulais montrer à la première chose, la seule chose que j'ai rajoutée, eh ben, c'est l'impact que les ateliers avaient eu à ce moment-là. C'est-à-dire, chaque fois qu'il a fait une commande monumentale, il se débrouillait très bien. Il arrivait à prendre des fragments de la commande monumentale et à en faire des éditions. Flore, il a fait Flore accroupie. La danse, il a dû faire une dizaine, quinzaine d'œuvres. Il a fait des pièces en entier, il a fait des buts, il a fait L'amour à la folie. Enfin, il y a toute une, ça a été une source sur le plan, une mine sur le plan éditorial. Et la même chose, et un peu moins, avec La Fontaine de l'Observatoire, avec Pourquoi n'être esclave, qui est ici, qui l'a représenté. Il a représenté donc Chinois aussi. Et après, donc, on arrive à la Troisième République, et la Troisième République 1870-1874. Donc, c'est ce qui va lui permettre de continuer à développer l'atelier. Mais la fulgurance, elle ne s'arrête pas là aussi. Si vous regardez, Carpeaux a développé une œuvre qui est tout à fait originale et qui s'inscrit complètement pour certaines œuvres dans cette fulgurance et dans cette rapidité à faire les tableaux. Vous avez ici plusieurs tableaux. Vous avez le tableau du siège de Paris. Ça, c'est des tableaux que nous avons vendus. Tous ces tableaux-là, nous les avons vendus, sauf le portrait de Carpeaux là, qui doit être d'une origine muséale. Et j'ai toujours adoré dans l'œuvre de Carpeaux, c'est-à-dire cette originalité totale. En peinture, c'est une originalité totale. Ça n'est fait par personne. À certains moments, je trouve qu'il y a un coup de liberté que Turner avait dans ses paysages. Mais là, il représente le siège de Paris en 1871, c'est quelque chose qui était brossé dans des teintes en bifre très, très, très légères en secondes. Un tableau du naufragé, très influencé par Géricault, par le radeau de la Méduse. Là, il nous a fait un naufragé dans des lumières apocalyptiques et aussi extrêmement rapidement. Là, je viens d'acheter une religieuse. Je viens d'acheter une religieuse que je trouve extraordinaire, qui fait penser à Lugolin. Lugolin dans sa cellule, le tableau Carpeaux a été influencé par un tableau qui a été fait par un peintre lillois qui représentait Lugolin dans sa cellule, c'est exactement ça, et c'est pareil. Là, vous avez une bonne sœur qui est représentée en 3-4 traits, donc tableau terminé, tableau abouti, mais qui s'en fait en 2 secondes. N'oubliez pas qu'on était en pleine période académique. On était avant l'impressionnisme, donc je ne sais pas comment Carpeaux aurait réagi quasiment avant l'impressionnisme à cette époque-là, donc je ne sais pas comment il aurait réagi, mais il avait une touche extraordinaire et d'une rapidité et d'une grande rapidité. La fulgurance, on la trouve aussi, mais là on est après 1870, mais en 1871, je la trouve aussi avec certains portraits. Il a fait, alors, ce que j'appelle les grandes machines officielles, c'est quand il fait l'impératrice Eugénie, c'est quand il fait très belle l'impératrice Eugénie, enfin, c'est très beau, mais enfin, c'est des sculptures avec cahier des charges. Monsieur, vous devez représenter l'impératrice. Ah oui, on la représente, donc magnifique, c'est parfait. Et là, on n'est pas du tout dans cet esprit-là, on est dans les portraits d'amis. Les portraits d'amis, donc les portraits, il est décidé de le faire ou non. Et vous avez pour moi ici vous avez 4 des plus beaux portraits de Jérôme, et j'ai un faible spécialement, 4 des plus beaux portraits de Carpeaux, pardon, et j'ai un faible pour le buste de Jérôme, qu'il a fait quand il était à Londres en 1871, quand il est exposé au salon 1872, je crois, on a dit que c'était le décapité parlant. Une vitalité extraordinaire, et décapité parce qu'il est arrivé à faire quelque chose qui est très dur. Ah oui, c'est très dur de faire ça. Avec les grands artistes et les grands sculpteurs, vous avez la découpe du portrait et vous le soclez sur le pied. Et bien ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous regardez bien des sculpteurs, tous les sculpteurs, et bien vous apercevez que le portrait par le pied douche, parfois, il enterre la sculpture. Un peu comme un cadre peut enterrer un tableau. Et là, avec le pied douche rétréci, le cartouche, Jean-Léon Jérôme, c'est extraordinaire. Et ce plâtre que j'ai donc acquis relativement récemment, je l'ai en fait à la galerie en ce moment,
C'est pas un plâtre d'époque, c'est pas Carco qui l'a sorti. Carco a donné un moulin en plâtre à son ami Jérôme qui connaissait. Jérôme qui adorait ce portrait, et bien s'en servait, le donnait à des amis et le donnait. Et celui-ci, c'est le seul que je connaisse parmi la 8 ou la dizaine de bustes de Jérôme que j'ai vendu. C'est le seul qui non seulement me porte venant du moule l'envoi que l'on lit assez difficilement, mais c'est en italien, Al Sommo Pittore Jérôme, J.B. Carco, London 61. Mais alors, au-dessous, je ne sais pas si on la voit bien, j'ose pas agrandir, parce que ça va peut-être me faire partir l'image, mais alors, au-dessous, on la lit quand même assez bien. Vous avez, à mon ami, J.L. Jérôme, et là, ça a été gravé dans le... Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est donc un envoi que Jérôme a fait. C'est le seul que je connaisse qui soit comme ça. Mais je l'ai acheté aussi avant d'avoir vu la dédicace, parce que en fait, il est passé en vente publique, caché. Et je le trouve magnifique. Je trouve qu'il avait la façon dont les fanons étaient rendus, la façon dont les yeux étaient rendus, la façon dont la vitalité était rendue, la façon dont toutes les mèches sortaient. Je me dis, mais c'est un des plus beaux que j'ai jamais. Ben, j'ai compris après en regardant que c'était effectivement un des plus beaux que j'avais jamais vu, parce que si Jérôme l'a dédicacé, a fait un envoi à un ami, c'est pas lui qui l'a sorti du plâtre, il a demandé à son praticien, bon alors là, vous faites un beau tirage, vous lui mettre bien sûr, je vais faire un très très beau tirage. Et c'est le cas de celui-ci. Alors à côté, vous avez Bruno Charrier qui est un de ses amis qui l'a parfaitement fait, Alexandre Dumas chez qui il était donc dans la propriété Appui, et Charles Gounod qui l'a fait dans ses grands portraits. Donc là, on est vraiment dans les grands portraits. Le prince impérial est très beau, mais il n'a pas pu le rendre avec 4 ans de vie. C'est quand même un portrait, il fallait une certaine réserve. Et là, Carrefour, alors là, on n'est plus en 1870, 1871, 72, 73, il a fait le portrait de Charles Garnier. J'ai pas présenté parce que je pensais que Charles Garnier, nous n'avons pu acheter à la galerie dans les 20 dernières années que des plâtres de petite dimension et je n'ai jamais vu des plâtres top. Là, j'ai acheté pour Charles Gounod un plâtre éblouissant de qualité, le Jérôme aussi. Donc, nous aimons à la galerie acheter des choses, je dirais, qui nous scotchent un peu au niveau de la qualité. Et à ce moment-là, parfois, on devient un peu fou et on ne s'arrête pas et on achète des pièces. C'est ce qui m'a enthousiasmé avec le plâtre de Jérôme qui est ici. Maintenant, je vais passer sur cette image. Non, pardon, je vais passer sur cette image. Je vais revenir sur cette image. Voilà. Et très rapidement, donc je vous ai parlé du travail de Carco. Il y a l'atelier Carco pour la production des bronzes. Là, je ne vais pas vous détailler les bronzes, vous savez. C'est la seule chose que je voulais vous montrer. C'est que j'ai photographié là, au Risque Museum à Amsterdam, le même sujet fait par un sculpteur. Et ici, vous avez la même sculpture faite par Carco. Et bien là, vous avez la différence entre quelque chose d'anecdotique qui n'a pas un grand maintien. Et avec Carco, là, il a parlé de la jeune fille fière avec la jambe. Donc, de la jeune fille avec la jambe fière. Cette jeune fille de 17 ans, en fait, elle va à la pêche au vidéo, mais elle sait vraiment où il va. Quoi. Vous avez une intériorité, vous avez une présence. L'autre, vous avez la gentille décoration. Ah, elle a son petit enfant dans les bras, elle a un beau tissu. Donc, la production des bronzes, la production des terres cuites, donc les terres cuites de l'atelier produisent des terres cuites. Donc, la première famille et la deuxième famille, la première famille de début, et après, c'est la deuxième famille qui prendra donc, la production des terres cuites, avec la particularité que pour toutes les terres cuites d'époque, et j'arrive là donc, sur la date 1874, eh bien, c'est qu'ils portent la date, donc, sur les terres cuites d'époque. Et la dernière chose, ce ne sont pas des verres cuits, ce sont des plâtres. Carco n'a pas édité ces plâtres, n'a pas produit ces plâtres. Mais la famille de la postérité, c'est-à-dire la femme et les filles, ont à ce moment-là produit quelques plâtres qui sont des plâtres documentaires, ou alors sur des plâtres originaux, elles ont apposé à ce moment-là le cachet de la propriété Carco et elles les ont installées et produites donc dans les ventes Carco 1894, 1913, 1927. Et donc, là, ça vous montre un petit peu, si vous voulez, la production et la fulgurance de Carco. Là, ici, je ne vais pas vous le montrer parce que tout est prévu pour une autre intervention et je crois que nous sommes arrivés à terme. Et si vous avez des questions à me poser, c'est avec grand plaisir que je vais répondre.
Monsieur, s'il vous plaît, où était situé l'atelier de Carpeau? Alors, l'atelier de Carpeau, dans un premier temps, il a été rue du Faubourg-Saint-Honoré, 232 rue du Faubourg-Saint-Honoré. Il a eu plusieurs ateliers, d'ailleurs, quand il faisait des sculptures aussi, mais l'atelier de production, il était 232 rue du Faubourg-Saint-Honoré, il y avait un cachet avec l'adresse de la rue du Faubourg-Saint-Honoré, et après, ça a été Auteuil, c'est 68 rue Boileau à Auteuil, je crois, enfin, c'est marqué d'ailleurs sur ses cachets de percu. Il était à Auteuil, donc c'est sur les boulevards extérieurs, et on le voit toujours donc, sur les boulevards extérieurs. L'atelier que vous voyez aujourd'hui sur les boulevards extérieurs n'est pas celui de Carpeau, parce que celui que vous voyez aujourd'hui, il a été construit post-mortem par la famille, mais l'atelier était donc situé au même endroit, et c'était là où il produisait ses terres cuites, c'était là où il finissait les bronzes, c'était là où les marbres étaient produits, donc toute l'activité de l'atelier était à ce moment-là, à cet endroit-là, très actif. Actif à partir vraiment de 1868, hein, quand il s'est installé là, 1868-1872. En 1872, il achète des fours, et ces fours lui permettent de produire toute cette terre chez lui. Donc l'activité s'est développée beaucoup en 1872-1875. Là, entre la première famille de l'ascendance, les deux, ils se partageaient un petit peu l'atelier de la seconde famille. Dès Carpeau meurt, là, c'est terminé. C'est Amélie Carpeau qui, à ce moment-là, récupère complètement l'atelier. Et l'atelier, ça, toutes les exploitations seront posthumes, faites par la famille dite de la postérité, donc c'est-à-dire la femme, les filles et les enfants, qui produiront dans cet atelier-là jusqu'au début du XXe siècle. Merci. Et l'atelier a été très, très actif. Hein, ça a été un atelier. Alors, ce qui est amusant, c'est que par rapport à d'autres, il n'a pas donné un éditeur. Il a toujours voulu garder l'édition des pièces lui-même. Il y a pour Sèvres qu'il a travaillé, il a travaillé un peu avec Sèvres, mais c'est les héritiers surtout qui ont travaillé avec Sèvres après. Mais il n'a pas voulu donner donc des pièces à des éditeurs. Et je crois que ça aurait été bien parce qu'il n'aurait jamais été satisfait. Alors par contre, il trouvait que Barbedienne était un très bon fondeur. Ils étaient marre parfois dans un atelier Barbedienne. C'était Barbedienne qui lui prêtait les marques personnellement qui étaient à l'atelier Barbedienne dans les années sous le Second Empire. Et il a demandé à Barbedienne, écoutez, est-ce que vous pourriez pas fondre des choses pour moi? Barbedienne lui dit que vous êtes un peu ennuyeux, moi je fonds des choses que je vous dis. Oui, je ne vais pas les éditer, mais néanmoins, il a accepté de travailler pour Carpeau et c'est lui qui a fait des patines sur beaucoup de bronze qui ont le cachet propriété Carpeau. Il y a des grandes danses d'un mètre, je reconnais les patines que Barbedienne a faites. Parce que c'est très dur de patiner un grand bronze de Carpeau qui en fait est lisse. Et ces patineurs ne savaient pas trop le faire. La ciselure, c'est plus facile. C'est beaucoup plus difficile de trouver un bon patineur. Donc c'était Barbedienne qui faisait certaines des patines donc de l'atelier Carpeau. Alors après, en édition de marbre, il a eu un marbrier qui s'appelle Meynier. Et c'est Meynier qui a lancé toute la production des marbres. Alors, les terres cuites, grosso modo, c'était fait pour les gens qui n'avaient pas de sous, moins de sous, c'était 100, 150 francs. Les bronzes, on arrivait à 300, 300, 350, 400. Et les marbres, c'était beaucoup plus cher, c'était à 3000 francs. Donc, il y a des marbres qui ont été faits par l'atelier. Et puis après, il y a des marbres qui ont été faits à titre posthume, toujours par les héritiers. Et puis après, la maison suisse, quand elle a signé le contrat, des contrats d'édition avec la famille, donc a aussi produit des marbres. Il n'y a pas beaucoup de soucis. Je vois, on est en train on fait un site d'expertise. En marge de notre site Univers du Bronze, on est en train de créer un site d'expertise parce qu'on est de plus en plus souvent sollicité. Et il se trouve que, comme la galerie a finalement une antériorité, les gens nous font assez confiance. Donc, on est en train de faire ce site d'expertise et je fais toutes les fiches, un petit résumé des problèmes éditoriaux qu'il peut avoir avec les artistes. Avec Carpeau, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas parce que les fonds de propriété Carpeau, elles sont quand même dures à faire. Il y a des contrefaçons avec des terres cuites. Les terres cuites, ils ne sont pas fatigués. Ils ont pris une terre cuite de 50 cm, ils l'ont moulée et ils ont sorti une terre cuite qui fait terre crue, qui fait donc 50 cm. Mais Jean-Gabriel Père, qui est derrière moi, sait très bien que quand on met une terre au four, elle réduit. Et donc la terre fait 46, 47 ou 46 cm. Donc à ce moment-là, à l'œil, voilà la dimension, je le repère tout de suite. Donc, elles sont assez faciles à repérer. En bronze, il n'y a pas tellement de contrefaçons. Ce que j'ai vu, par contre, beaucoup, c'est des originaux en cire ou des originaux en plâtre qui
Il avait été fait au moment où Carpeaux était très cher et très recherché, donc au tournant du siècle. Eh ben, il n'avait pas mon adhésion complète. Et quand il passe en vente publique, eh ben, ça fait des prix intermédiaires. Alors, il y a quand même le petit cartouche Carpeaux, il y a quand même l'original de Carpeaux, on n'est pas loin de Carpeaux. Et François Fabius avait la même impression. Et en fait, Madame Carpeaux était sculptrice et évidemment, monsieur son mari aussi. Je ne voudrais pas, mais j'ai toujours une impression qu'il y avait peut-être des choses bizarres qui avaient été faites à ce niveau-là, mais pas par contre au niveau des éditions. Les seules choses qu'on voit au niveau des éditions, mais ça, on le voit dans les éditions de Monde, tout le monde l'a fait aujourd'hui, Hébrard, tout le monde, c'est une certaine opacité. Et en deux mots, vous allez voir l'opacité, mais une simplicité évidente. C'est de son vivant. Quand les terres cuites étaient produites par l'atelier, 72, 73, 74, à la suite de la signature, vous avez gravé dans la terre crue, donc on le voit très bien, la date de 1864, mise au stylet. Et après la mort? On en connaît plusieurs, 1876. Ça m'amuse beaucoup. Carpeaux, mort, 75. J'y vais Carpeaux, 1876. Je suis mort de rire. J'en ai vendu une autre jour. J'étais 76. Donc, vous faites les trois anciens ateliers Carpeaux, mais trois authentiques éditions de famille. 1876. Et après, la date disparaît. Vous n'avez plus que J.B. Carpeaux. C'est ce que j'appelle les comportements opaques. Et ça, toutes les familles, mon background après peut-être 40 ans, 35 ans de métier, c'est tout le monde a fait ça à toutes les époques. Tout le monde a fait ça. Il n'y a pas cité des noms, mais tout le monde, c'est universel. Et pour Carpeaux, je vois, et ça m'amuse. Et très souvent, quand je vois en vente publique, quand je dis Carpeaux de Carpeaux, je dis au commissaire priseur, j'explique ça. Comme c'est dans mon lit, c'est dans mon lit. Ils comprennent tous très bien. Et personne ne va laisser dire que c'est forcément postulé. Il y a toujours un doute qui peut se faire. Mais sinon, je dis Carpeaux, il n'y a pas. Il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes sur Paris, il y a des problèmes sur Codin, il y a des problèmes tous les jours sur Diego Giacometti et les objets décoratifs d'Alberto Giacometti. Mais sur Carpeaux, non. Et bien, parce que c'est facile de reconnaître un faux Carpeaux. C'est difficile de faire. Ils sont tous faits à la fonte au sable, donc aller sortir une grande danse d'un mètre avec tous les montages de la fonte au sable, il n'y a pas un fondeur à Paris qui peut vous rendre ça. Comme tout est fait à la fonte au sable, c'est compliqué de fondre. Il n'y a personne qui peut vous rendre ça, on va le voir tout de suite. Et puis, il y a les patines. Si les patines, alors personne n'est capable de vous faire une patine barbelière. Ce n'est pas possible. Les patines, c'est des tours de main qui appartiennent à des personnes. Alors, chez Barbelienne, elles sont en continuité, parce que Barbelienne devait veiller en sorte que ça soit en continuité. Dès que vous allez dans les fonderies qui sont moins importantes, les patineurs ne sont pas en continuité. C'est-à-dire que le patineur va mettre au point sa patine, et sera belle. Et quand le patineur va partir, va prendre sa retraite, il ne va pas donner. Là, j'en ai eu la preuve. J'ai vu un vieux patineur d'une fonderie que je ne nommais pas. Il y avait un nouveau patineur qui était rentré. Et je vais lui apprendre les patines. La patine était, par exemple, en 25 étapes. Et il montrait 24 étapes de 25. Donc, la patine, elle était viandée. Voilà. Donc, les patines, c'est quelque chose qui est très, très dur. Qui est très, très dur. Très, très dur à faire. Alors après un certain temps, c'est clair que nous, ça nous, on, une patine Carpeaux faite par Barbedienne, on ne peut pas se tromper. C'est vrai que vous ne pouvez pas se tromper. On comprend très bien. Parce qu'il y a des grandes surfaces 10. Et faire prendre une patine sur une surface 10, c'est très difficile. C'est pour ça que Carpeaux a demandé à Barbedienne. Barbedienne, à l'époque, c'était entre 500 et 600 ouvriers. Imaginez un peu l'émulation qu'il y avait à ce moment-là, c'était absolument différent. Et vous voyez tout ce que Carpeaux a fait, sur cette période-là. Vous prenez, mais je les ai tous pris. Hein. Vous prenez Dalou quand il a fait la grande fontaine qui est à la place de la Nation. Il a mis 10 ans à faire le plat et 10 ans à faire la fonte. Donc 20 ans. Ça a été commencé en 1879-80. Et c'était bon pour l'exposition universelle de 1900. Il a mis 20 ans à la faire, le beau, 20 ans de travail. Ils étaient très contents. Oui, j'ai fait les doigts du forgeron, le gant du forgeron, c'est parfait, on voit tous les détails. Sur une œuvre monumentale, on s'en fiche de ça, parce qu'on va la voir de très loin. Et aujourd'hui, cette œuvre si monumentale qu'elle est, si belle qu'elle est, j'ai très souvent la voir place de la nature, on ne la voit pas. Elle fait partie de ces œuvres qui disparaissent et qui n'ont pas une présence réelle. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est le génie monumental.
Et Carpeaux a ce génie monumental, Bourdelle avait ce génie monumental, et par contre, ce n'est pas moi qui le dis, je me souviens que dans une des premières interventions à laquelle j'ai assisté de Catherine Chevillot, elle a dit « Rodin n'est pas monumental ». Elle qui dit, on a fait ça. Qui a fait l'état de l'enfer. Et elle a raison, elle avait complètement raison, parce que si vous regardez la porte de l'enfer, c'est tout sauf un monument. La porte de l'enfer, qu'est-ce que c'est? Rodin a commandé des plaques de bois, sur s'il met la main son menuisier, il y avait son montage en plaques de bois, et après c'était un réservoir d'œuvres, et on l'a fait rentrer des œuvres, il les a fait sortir, et les petites étaient moyennes et des grandes. Ça n'a rien à voir avec le monumental tel qu'il était vu dans la sculpture antique. Hein. Ce n'est pas la même chose du tout. Et ça, il y a des sculpteurs qui comprennent bien le monumental et d'autres qui comprennent moins le monumental. Vous savez comment vous les reconnaissez? Et bien, c'est que les sculptures, vous les voyez de loin et parfaitement, et d'autres, vous ne les voyez pas. Bartholdi construit le monumental très bien. C'est colossal, bien sûr, mais le lion de Bartholdi qui est sur la. À d'en faire au chaud, on le voit parce qu'il est arrivé à faire en sorte qu'il fait plus grand qu'il ne l'est en la réalité. C'est ça le monument. Et Barré avec le génie du monumental, parce que je vous mettrai un petit cerf de Barré de 10 cm sur 15 au bout de la table, vous le verriez. Vous le verriez. À la galerie, je suis effaré de voir comme un tout petit Barré, on le voit tout de suite. Parce qu'il avait justement cette faculté de donner, je ne sais pas s'il y a une vérité juive, des dimensions intérieures juives, il avait cette faculté de donner cette présence. Et là, ça a été. Ça m'a été si confirmé par Madame Lemestre. Il disait, quand son conservateur du Louvre l'envoyait à Drouot pour voir s'il y avait des choses, elle l'appelle un jour et elle lui dit un jour: mais écoutez, j'ai eu une sculpture, la sculpture n'est pas très connue, mais ça fait énorme. Et le conservateur en chef lui a dit: Madame, achetez-la. Ça, c'est assez. Et Carpeaux fait partie de ces gens-là. Vous regardez, par exemple, prenez la façade de l'opéra de Carpeaux. Carpeaux, le centre du monumental, il l'a. Il l'a parfaitement. En 2,50 m de haut et en 3,50 m, il vous fait un truc gigantesque, plus que les autres. Et parce qu'il arrive à simplifier, il n'est pas allé faire des tas de détails, parce que dans ses et tout ça. Mais il est arrivé à donner du volume au volume, c'est ça. Et dans l'Ugolin, vous voyez toute la musculature qu'il a représentée sur l'Ugolin, vous avez les lignes de l'Ugolin, il ne fallait pas se planter hein, sur cinq personnages, il ne fallait pas se planter. Et ben, en plus, il a donné aux surfaces, après une certaine mollesse, il a donné du volume à toutes les surfaces avec une musculature qu'il a bien sûr un peu renforcée. Ça, c'est Michel-Ange. Ils étaient tous influencés par Michel-Ange. Mais ça n'avait pas bistèque, comme on disait de certains sculpteurs, comme par exemple, on disait des athlètes de Bugatti. Ça fait un peu beefsteak, alors le passage de Rodin, penseur de Rodin. Tous les muscles, vous avez les creux et les bosses, tout est effectivement très très bien rendu, mais on ne disait pas ça. Voilà, si vous avez d'autres questions. J'ai travaillé à Valenciennes. Vous n'avez jamais travaillé? Non, Carpeaux n'a jamais travaillé. Alors, j'ai envie de vous répondre non tout de suite. Il a travaillé. Non, en fait, il a quitté Valenciennes. En fait, il a quitté Valenciennes très tôt parce que son père ne voulait pas trop qu'il fasse de la sculpture. Il a fait la petite école. Ensuite, il a fait l'école des Beaux-Arts. Ensuite, il est parti en Italie. Il est retourné à Valenciennes. Le grand moment où il est retourné à Valenciennes, quand il prenait des commandes, quand il a pris la commande pour l'hôtel de ville, il est retourné à Valenciennes. Le seul souvenir que j'ai vraiment de l'arrivée de Carpeaux à Valenciennes, c'est quand il est arrivé avec le prix de Rome, là vous n'imaginez pas, mais c'est comme si c'était Tessin Papé qui est arrivé à Valenciennes. C'était une fête de fou. Quand un sculpteur de province arrivé à Valenciennes et ayant eu le prix de Rome, c'était un truc de fou. Il y avait une fête pendant 3 jours, le sculpteur était adulé, il était devant le. Et je crois qu'on a fait beaucoup déjà, on a beaucoup dépassé. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions. Merci Alain.